La dépouille du juge Kambou Kassoum présentée ce mardi en mi-journée à la place de la Nation à Ouagadougou pour un dernier hommage, ultime hommage au juge Kambou qui a rangé définitivement donc sa toge le samedi 19 février dernier. Le président du FASO, le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba, a présidé cette cérémonie. Moumouni Soubega. C'est le président du FASO, Paul-Henri Sandaogo Damiba, qui s'incline en premier devant la dépouille mortelle de Kassoum Kambou. Puis suivent les corps constitués, les membres du Conseil constitutionnel, les autres personnalités et les membres de la famille. À la tribune, les témoignages de la représentante des enfants du défunt, celui de la famille et du Conseil supérieur de la magistrature, magnifient tous les hauts faits du président du Conseil constitutionnel. De ce témoignage, on retiendra que Kassoum Kambou fut un bon père de famille, mais aussi un serviteur exemplaire de l'État. Ses œuvres lui ont valu d'ailleurs d'être élevé ce jour à titre posthume à la dignité du grand officier de l'ordre de l'État. Un hommage appuyé par un parade militaire et paramilitaire. Nous sommes d'autant plus fiers que des qualités professionnelles et humaines ont été humainement reconnues et unanimement reconnues par tous. Tu as été un grand magistrat et un exemple d'intégrité. Papa, nous savons que tu n'es pas parti. Tu demeures à jamais auprès de nous et en nous. À vous tous qui êtes présents aujourd'hui, nous vous transmettons notre plus sincère gratitude pour le soutien précieux que vous manifestez à notre endroit durant cette épreuve. Pour la grande famille judiciaire, le décès de Kassoum Kambou est une grosse perte pour le pays. Tous pleurent la disparition d'un homme qui aura joué un rôle de premier plan dans la promotion des droits de l'homme et de la justice au Burkina. C'est une catastrophe. Kassoum Kambou nous quitte au moment où nous avons le plus besoin de lui. Le pays a le plus besoin de lui. C'est un homme d'exemple. Le plan professionnel. Kambou a été, au niveau de la magistrature en tout cas, de tous les combats pour son indépendance. Et il nous quitte au moment où nous en avons toujours besoin de ses conseils et de ses idées lumineuses pour nous éclairer. Après la place de la Nation, direction le Serfi pour une prière. Avant l'oraison funèbre et la dernière prière, les camarades qui ont effectué le hajj avec Kassoum Kambou lui ont également rendu un hommage à travers des témoignages. Tous saluent la mémoire d'un homme d'une sagesse exemplaire. Membre fondateur du MBDHP et du RENLAC, Kassoum Kambou a occupé plusieurs autres fonctions avant d'être nommé président du Conseil constitutionnel en 2015. Il est décédé le 19 février dernier à l'âge de 66 ans.